Permettez-moi d'abord d'exprimer au nom de la France et puis de la communauté française vivant au Cameroun une nouvelle fois mes condoléances les plus attristées au peuple camerounais, aux autorités camerounaises et aux familles et aux amis des victimes décédées ou blessées. Alors le don que nous avons fait aujourd'hui est un don qui porte sur l'ensemble des besoins exprimés par la chaîne médicale pour pouvoir opérer les blessés qui sont arrivés ici à Yaoundé. Donc il y a à la fois des kits orthopédiques, des kits de première urgence, des médicaments, des antidouleurs, du matériel antiseptique. Enfin, moi je ne suis pas médecin, mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous avons pris en compte, dans un dialogue approfondi avec les autorités sanitaires, tous les besoins urgents pour permettre aux hôpitaux de travailler et puis également de reconstituer des stocks, parce que la vie continue au Cameroun. Malheureusement, il y a des gens qui continuent à être blessés, à avoir peut-être des accidents de la circulation ou d'autres problèmes, et il fallait très vite redoter les hôpitaux d'une capacité de soigner à la fois ceux qui étaient déjà arrivés et ceux qui se présentent chaque jour. Une évaluation.